L'éditorial du Figaro. L'Europe à contre-sens par Philippe Gély. C'est un secret de polichinelle, qu'Olaf Scholz est réfractaire aux envolées bellicistes d'Emmanuel Macron. Mais les deux dirigeants sont assez responsables pour, tenant compte de la gravité des enjeux, afficher une unité de principes et des objectifs communs en Ukraine. Unis et résolus à ne jamais laisser gagner la Russie, ils ont mis vendredi la question qui fâche celle d'un éventuel envoi de troupes sous le tapis. À la lumière de son rendez-vous prévu avec le chancelier, l'intervention télévisée du président jeudi soir marquait une gradation supplémentaire dans la provocation. Mettre trop de limites dans son vocabulaire n'est certes pas une critique que le français s'adressait à lui-même. Après ses injonctions à ne pas être lâche, à rejeter le choix de la défaite, une nouvelle séance de clarification s'imposait donc entre les deux hommes, le polonais Donald Tusk étant le bienvenu en position de médiateur. En Europe, les divergences stratégiques se résolvent rarement par l'anathème et le qui même me suivent. En encore moins avec un partenaire allemand nourri de la culture du compromis et pris dans un corset constitutionnel. Autour d'Emmanuel Macron, on pointe les dissensions au sein de la coalition à Berlin comme une validation de la vision française. Contresens, l'Europe n'avance qu'au prix de négociations patientes à l'écart des projecteurs. Tant qu'Olaf Scholz n'est pas à bord, il n'y aura pas d'emprunt européen pour renforcer la défense du continent. Le chef de l'État veut-il réussir ou veut-il avoir raison avec sa façon de montrer la voie en tablant que les autres devront suivre, il a tendance à retarder les consensus et à fausser les enjeux. Ses récentes déclarations ont orienté le débat public sur l'envoi de soldats en Ukraine, alors que ce n'est pas réellement d'actualité. Le sursaut nécessaire porte bien davantage sur la construction d'une architecture de sécurité en Europe capable de faire face à Vladimir Poutine et peut-être de se passer demain de Donald Trump. Tâche au long cours moins scintillante que quelques envolées guerrières, surtout bonne à créer l'effroi dans les chaumières et à disqualifier ses adversaires politiques comme supposés de l'ennemi.